Alors, je pense que déjà, si ce projet est possible, c'est parce que c'est un travail d'équipe. Moi, je ne peux pas travailler seule. J'ai besoin de m'appuyer sur à la fois les compétences de mes élèves, bien sûr, mais aussi de tous les pairs qui m'entourent, que ce soit des familles, que ce soit d'autres enseignants ou des personnes qui sont intéressées par le projet. Il faut savoir que l'équipe autour de moi aujourd'hui, adulte, c'est 8 personnes. Donc, il y a 3 marraines chercheuses, il y a un intervenant robotique. Il y a aussi un chef de chœur qui a un rôle très important dans le projet, puisque nous allons présenter un spectacle à la scène Watteau de Nogent-sur-Marne le 17 juin, intitulé Le Petit Robot, avec 3 autres classes de l'école qui ne sont pas forcément impliquées directement dans les projets s'aventuriers, mais qui ont pris un volet du projet. Il y a la professeure d'anglais qui intervient aussi en classe et qui, du coup, a axé tout son travail cette année sur l'étude de la fourmi via un conte musical trouvé en anglais. Voilà. Je dis 8 personnes parce qu'il y a aussi des stagiaires qui sont passés dans ma classe et qui du coup veulent revenir pour s'impliquer aussi davantage dans le projet. Et puis bien sûr nos 3 marraines chercheuses qui ont été essentielles tout au long de la mise en place du projet.